أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آتي خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم زد له في كل خير ما أعطيته إياه وتوفنا وأرعب الحمد Cette vidéo, Inch'Allah, cette série de vidéos pour essayer de parler ou d'évoquer un sujet important qui soulève souvent nombre de questions, à propos de ce qu'on appelle la lecture ou les lectures de l'ism al-mufrad, c'est-à-dire du nom Allah. Pour introduire ce sujet, on va commencer par mentionner ou citer un hadith connu pour être appelé le hadith de Sayyiduna Jabir, donc il y a un compagnon, radiallahu anhu. Et c'est un hadith donc, rapporté par l'imam Suyuti, l'imam al-Qastallani, et Sidi Ibn Arabi, qaddasallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, donc c'est Sayyiduna Jabir radiallahu anhu qui est venu un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé ô messager d'Allah, quelle est la première chose qu'Allah a créée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ô Jabir, il s'agit de la lumière de ton prophète, Allah l'a créée et il créa ensuite en elle tout ce qu'il y a de bien, puis il créa toute chose. Et lorsqu'il créa cette lumière, il la plaça face à lui dans le degré du rapprochement. C'est le maqam al-qurb, qu'on a écrit ici. Durant 12 000 ans. Puis il la divisa en quatre parties. D'une de ces parties, il créa le trône. D'une autre partie, il créa le piédestal, qu'on appelle le kursi. D'une autre encore, il créa les anges porteurs du trône et ceux du piédestal. Quant à la quatrième partie, il la plaça dans le degré de l'amour, maqam al-hub, durant 12 000 ans. Puis, il divisa donc, cette partie en quatre. D'une de ces parties, il créa la plume, al-qalam. D'une autre partie, il créa al-lawh, la tablette gardée. Et d'une autre encore, il créa le paradis. Quant à la quatrième partie, il la plaça dans le degré de la peur, maqam al-khawf, durant 12 000 ans. Puis il la divisa en quatre parties. D'une de ces parties, il créa les anges. D'une autre partie, il créa le soleil. Et d'une autre encore, il créa la lune et les planètes. Quant à la quatrième partie, il la plaça dans le degré de l'espoir, maqam al-raja, durant 12 000 ans. Puis Allah Azza wa Jal divisa cette partie en quatre, une nouvelle fois. D'une de ces parties, il créa l'intellect, l'aql. D'une autre partie, il créa la science et la sagesse. D'une autre encore, il créa les anges qui empêchent de commettre le mal qu'on appelle l'isma. Et la facilité du chemin vers le bien, c'est-à-dire le tawfir. Quant à la quatrième partie, il la plaça dans le degré de la pudeur, maqam al-haya, durant 12 000 ans. Puis Allah Azza wa Jal la regarda. La lumière se mit alors à perler de sueur et en coulèrent 124 000 gouttes de lumière. Allah créa alors de chaque goutte l'esprit d'un prophète ou d'un messager. Puis les esprits des prophètes respirèrent, et Allah créa de leur souffle les saints, les martyrs, les bienheureux et les obéissants jusqu'au jour du jugement. Donc on a vu dans ce hadith, mentionner les uns après les autres, cinq maqams particuliers. Donc dans un premier temps, le maqam de l'Qurb, puis al-hub, puis al-khawf, puis al-raja, puis al-haya. C'est-à-dire la proximité, l'amour, la peur, l'espérance et la pudeur. Ces cinq maqams, donc, qui correspondent à cinq étapes, si on veut, de la lecture du nom Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue poursuivre le hadith en disant « Le trône et le piédestal sont donc créés de ma lumière. » Les anges des sept cieux sont créés de ma lumière, le soleil, la lune et les planètes sont créés de ma lumière, l'intellect et la facilité du chemin vers le bien sont créés de ma lumière, les esprits des messagers et des prophètes
sont créés de ma lumière, et les martyrs, les bienheureux et les pieux sont issus de ma lumière. » Allah créa ensuite 12 000 voiles et établit ma lumière, qui est la quatrième partie de chaque voile. Et dans chaque voile, il y a 1000 années, qui sont les degrés de la servitude, de la quiétude, de la patience, de la sincérité et de la certitude. Allah plongea alors cette lumière dans chaque voile durant 1000 ans, et lorsqu'il l'en ressortit, il la plaça dans la terre. Cette lumière éclaira alors tout ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, tel un flambeau au cœur de la nuit noire. Allah créa ensuite Adam de terre et plaça en lui cette lumière sur son front. Et après Adam, la lumière fut transmise à son fils Shith, et ainsi elle n'a cessé d'être transmise d'homme pur en homme bon, et d'homme bon en homme pur, jusqu'à ce que Allah la fasse revenir, la fasse parvenir à Abdullah ibn Abd al-Muttalib, et de lui elle fut transmise à l'utérus de ma mère Amina bint Wahb. Ma lumière fut ensuite mise au monde, et je fus fait seigneur des messagers, sceau des prophètes, miséricorde pour les mondes, et chef de file de ceux qui, au jour du jugement, portent les traces blanches laissées par les ablutions. Voilà, c'est ainsi qu'a commencé la création au Jabir. Donc c'est un hadith relaté, comme on l'a dit, par l'imam al-Suyuti dans son ouvrage Al-Khasa'is al-Kubra. Donc c'est 5 maqams, mentionnés très clairement dans ce hadith, qui se retrouvent dans l'écriture du nom Allah, l'ism al-Mufrad. Maintenant, il faut savoir que nous, quand on parle des lectures du nom Allah, il y en a en réalité 7. Pour comprendre un peu mieux ça, il faut savoir que ces 5 maqams sont en relation avec le tawhid pur, c'est-à-dire la connaissance de l'essence divine, des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces 5 maqams sont, si on veut, relationnés avec la connaissance du tawhid. Et les deux autres lectures, ou deux autres secrets, sont en relation avec la nafs du cheminant, de celui donc qui chemine vers cette connaissance. Ces deux secrets donc, qui sont représentés dans l'écriture de l'ism également, mais d'une manière particulière qu'on verra par la suite, Inch'Allah. Dans ce hadith, à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et on s'arrête sur ce passage, que Allah créa ensuite 12 000 voiles et établit ma lumière, qui est la quatrième partie de chaque voile. Et dans chaque voile, il y a 1000 années. Donc cette lumière parfaite est totalement accomplie, c'est-à-dire dans le maqam le plus élevé qui soit, est accessible par la parole, la meilleure des paroles qui soit, c'est-à-dire « La ilaha illallah ». Et cette parole « La ilaha illallah » est composée de 12 lettres. Et dans chaque lettre se trouvent 1000 voiles. Or, cette parole se compose de 3 lettres différentes, qui sont le « Alif », le « Lam » et le « Ha ». Et de même, le nom « Allah » est composé de, si on veut, si on peut dire une chose comme ça, donc de 3 lettres qui sont le « Alif », le « Lam » et le « Ha ». Donc, tous les secrets qui se trouvent dans la parole « La ilaha illallah », c'est-à-dire dans les lettres de « La ilaha illallah », se trouvent en réalité résumés dans le nom suprême « Allah ». Et c'est en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ » c'est-à-dire « dit Allah, puis laisse-les s'amuser dans leur égarement ». Donc ces 12 000 voiles de lumière et de ténèbres, peut-être qu'on reviendra plus tard sur ce passage, on s'arrêtera, Inch'Allah. Donc dans le tasawuf, c'est la lecture du nom Allah, donc de ces 5 stations, plus les 2 stations, 5 stations du tawhid, plus les 2 stations de la connaissance de la nafs, qui donc réunies nous donnent 7 lectures de l'ism, auxquelles viennent s'ajouter 3 lectures qu'on appelle qira'at shadh. Le but donc du tasawuf, c'est la science tout entière du tasawuf est réunie dans la lecture de ce nom Allah. Et de ce fait, le travail du mourid, donc par l'accès à cette science,
et de remonter les maqams, les différents maqams, jusqu'à arriver au maqam suprême, qui est le maqam al-qurb, pour lequel qui correspond donc au point, et pour lequel Sayyiduna Ali a dit donc à la fin de sa parole célèbre, wa ana an-nuqta, c'est-à-dire et je suis le point. Donc la proximité, l'état de proximité. Donc c'est dans ce point de l'qurb, de ce retour, c'est-à-dire un retour sans retour, c'est-à-dire sans considération de limite temporelle ni spatiale, puisque c'est un retour à un moment en dehors du temps et en dehors de l'espace, où toutes les âmes ont été prises à témoin, et c'est clairement dit dans le verset, وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ فَأَجْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. C'est-à-dire quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Et ils répondirent, mais si, nous en témoignons. بَلَا شَهِدْنَا. Donc c'est le but de tout ce cheminement de la lecture du nom Allah, c'est le retour à ce degré de qurb, cet instant en dehors du temps et de l'espace où chaque âme a témoigné et du fait que de son Seigneur qui est véritablement son Seigneur. Donc la première étape de ce retour au maqam de qurb, c'est l'entrée, donc sortir du domaine de ce qu'on compare aux animaux. C'est clairement comparé dans le Coran, dans plusieurs versets, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui prennent comme pour Dieu leur passion, les comparent directement à des animaux, des bestiaux. Et donc, pour se séparer de cela, il faut, par la main d'un cheikh Murabbi, rentrer, c'est-à-dire goûter et s'anéantir complètement dans le ha al-hawiya. On avait vu dans une autre vidéo que ce ha ajouté au waw de l'iman nous donne huwa, c'est-à-dire la compréhension du nom huwa qui réunit donc l'ensemble des opposés qui se retrouvent représentés dans le ha, opposés les uns aux autres. Donc le mourid, en entrant dans et en s'annihilant dans le ha al-hawiya, accède donc au maqam, au premier maqam, maqam al-hayya. Et c'est à ce moment-là qu'il goûte notamment au sens caché de versets tels que fa'aynama tuwallu fa-thamma wajhullah, c'est-à-dire et où que vous tourniez, là se trouve la direction de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il accède en quelque sorte à un premier degré du maqam de l'qurb. L'qurb qui est en fait la finalité de son cheminement. Ensuite, une fois qu'il a réalisé ce passage, cet anéantissement dans le ha, le mourid est amené à passer à la lecture du lam, qu'on appelle lam al-qabd, et qui est, comme on peut le voir, fendu au milieu, mais pas complètement, puisque à la fin, tout en haut, il y a réunion. Pourquoi, pour expliquer le pourquoi de cette fente, en fait, on peut remarquer ici qu'il y a en quelque sorte une dualité. C'est pour marquer, représenter, symboliser la dualité seigneur et serviteur. Donc après que le mourid soit entré dans le ha et se soit perdu complètement dans l'océan de l'unicité, il retrouve justement cette relation avec son Seigneur. Et donc c'est cette dualité Seigneur-serviteur qui permet donc au cheminant, au serviteur, d'espérer de nouveau en son Seigneur. C'est pour ça qu'il y a donc dualité jusqu'à arriver tout en haut, où il y a de nouveau réunion. Et la réunion emmène le mourid dans le maqam, dans la lecture du premier lame, qui est le lame al-ma'rifa, c'est-à-dire le lame de la connaissance. La connaissance suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce maqam-là correspond au maqam du khawf. Alors on peut se demander pourquoi le lame al-ma'rifa, c'est-à-dire le lame de la connaissance suprême, la connaissance d'Allah, a été associé à la peur, al-khawf.
Pour comprendre ça, il faut se souvenir du verset qui dit « Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama », c'est-à-dire « Ne craignent véritablement Allah que les savants ». Les savants, mais pas les savants de n'importe quelle science, les savants de la science véritable, la science réelle, qui a, c'est-à-dire la science du tasawuf, la mère de toutes les sciences. Et donc, une fois arrivé à ce maqam al-khawf, il y a, comme on peut dire, un problème. Parce que le mourid suivait les lettres dans l'ordre dans lequel il se présentait, et il n'avait qu'à suivre le chemin tracé, en fait. Mais arrivé là, il y a un espace, il y a une fascle qu'on appelle, c'est-à-dire la scission qui le sépare du alif, alif al-muqaddar. Et par rapport à ce passage-là, l'imam al-Ghazali, radiallahu anhu, dit dans une parole très célèbre, qui a été reprise par d'autres, reformulée différemment, et il dit « Raja wal-khawf janahan biha yatir al-muqarrabun ila kulli maqam mahmoud » c'est-à-dire la peur et l'espérance et la peur sont deux ailes par lesquelles les rapprochés volent vers tout maqam, c'est-à-dire tout degré spirituel noble et élevé. C'est-à-dire al-khawf wal-raja janahan yatiru biha al-muqarrabun, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé une première étape dans le maqam du qurb. Et ce maqam du qurb, il est notamment clair et explicite dans le verset qui dit wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Et nous sommes plus proches de lui, aqrab, c'est-à-dire c'est la même racine du mot qurb, aqrabu ilayhi min hablil warid, plus proche de lui que sa propre veine jugulaire. Et quand avec cette première étape dans le dhawq, le fait de goûter à cette proximité divine, d'une proximité bien évidemment qui convient à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce muqarrab, ce rapproché, vole par les ailes, les deux lames du raja et du khawf, c'est-à-dire de l'espérance et de la peur, dans cet air-là, cet espace de vide, qui n'est vide en fait qu'en apparence, puisqu'en fait il se trouve ici deux secrets qu'on va représenter de la manière suivante, enfin, c'est comme ça qu'on les représente dans la tariqa, qui sont donc le triangle de la basmala, comme on l'avait vu dans une autre vidéo, avec son ombre ici. Et donc en bas se trouve le secret du fasl, et en haut, celui du wasl. Et donc, comme le dit l'imam Ghazali, ce passage-là n'est possible dans ce ciel, dans cet espace-là, que pour quelqu'un d'anéanti, d'annihilé dans le ha, volant par les ailes de l'espérance et de l'khawf. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين